Le banquet des mères. Enfant gâté de mon canton, depuis 14 ans je suis maire. Bien que je me flatte, dit-on, d'être un pur réactionnaire. Un beau matin, Monsieur Floquet me dépêche une circulaire. Il me convie au grand banquet que nous offre le ministère. « Je t'en prie, Hector, n'y va pas !» me disait en pleurant ma femme. « Ils ont inventé ce repas pour se faire de la réclame. » Mais je lui répondis « Tais-toi, Joséphine, c'est mon affaire. Je ne suis pas fâché, ma foi, de voir de près ce ministère. » Je pars la veille du grand jour, suivi de toute la fanfare. Les pompiers viennent à leur tour m'accompagner jusqu'à la gare. Mille gamins posent des cris. Faut-il que je sois populaire? Le voyage est à moitié pris. Un bon point pour le ministère. Nous étions 4000 et plus, entassés dans la grande salle. Un vrai festin de Lucullus. À sa place, chacun s'installe. Un grand laquais d'un air narquois, sans cesse me remplit mon verre. C'est du Bordeaux de premier choix. Ne blaguons plus le ministère. Monsieur, murmure près de moi, un maire habitant des montagnes, vraiment, je ne sais pas pourquoi, ça va si mal dans nos campagnes. Ouais, m'écriai-je tout à coup. Chez nous non plus, ça ne va guère. En attendant, buvons un coup, à la santé du ministère. On n'entendait plus d'autre bruit que le craquement des mâchoires. Floquet n'avait pas de pitié, mais il calculait ses victoires. Vrai Dieu, sommes-nous bien traités? On nous prend par la bonne chair? Passez-moi les petits pâtés. Vive à jamais le ministère. 9 heures. Il faut s'en aller. Tant pis, car la cuisine est bonne. Je sens mes jambes flageolées. À mes voisins, je me cramponne. Quin, qu'à, chacun partait. Trébuchant et roulant par terre. Braves gens, murmurait Floquet, ils soutiendront le ministère.